Ça se réveille pas. Fanny, j'ai un gros scoop. Genre, c'est le scoop de l'année. Asseyez-vous, les filles. Ah non, mais là, c'est le scoop de l'année, là. C'est bon, vous êtes bien assises? Gros scoop. Hier soir, avec Vivien, on s'est embrassé. Le premier bisou avec Vivien. Après la soirée tentation de hier, en rentrant à la villa, Vivien est venu me dire bonne nuit et en fait, il m'a fait un bisou sur la bouche. Donc c'est vrai que je suis très excitée de le répéter à mes copines. Oui, hier, il y a eu un petit bisou et une petite langue rapprochée. On adore. Mais comment, pourquoi De quoi je... Quoi? Quoi? Vous êtes en train de parler et... Mais en fait, j'étais là. J'étais en train de me mettre un pyjama, j'allais pour dormir, il est venu vers moi, il m'a dit bonne nuit, et là, ben, ça a dérapé, quoi. Bouche contre bouche. Là, c'était pas le petit bisou, tu vois, c'était vraiment le bisou. Ah oui, oui, oui. On adore ou pas? Ah oui, on adore, écoute. Donc voilà. Je suis plutôt contente d'avoir franchi une étape avec Vivien. Le fait qu'on s'est fait un petit bisou, enfin un gros bisou plutôt, hier soir, ben, je me dis que notre relation avance et que vraiment, il est vraiment sincère envers moi. Antonin m'explique qu'il va tout balancer à Beverly. À un moment donné, mon cerveau se remet à fonctionner. Il n'y a plus des femmes qui font du crawl dans mon cerveau. Et là, je me dis, ah oui, quand même. Je vais me faire crever. Mais voilà, j'oublie vite. Donc, ça dure vraiment 5 minutes. C'est bref. Beverly ! Beverly ! Ça va ? T'es où ? Oui, et toi ? Je suis là. Tu m'as manqué toute la nuit. J'ai parlé que toi, toute la nuit. Ouais, mais par contre, évite d'être fou avec moi. J'aurais te faire un bisou. Fou de quoi ? J'aurais te faire un bisou ? Ouais. Tu veux le petit-déj ? Ah non. Pourquoi? Là par contre c'est toi qui me le fais, non, faut arrêter. Non, te plaît. Non, non, non. Mais fais-moi, montre-moi une... Hier tu m'as envoyé chier donc... Non, bon. Hier soir je pense que j'ai été gentil, non? Ah oui, tu m'as envoyé chier en disant que j'étais célibataire, que je fais ce que je voulais, c'est gentil. D'accord. Alors que moi je me suis inquiété toute la nuit, j'ai pensé qu'à toi, j'ai créé Beverly par-ci, Beverly par-là. Arrête de foutre de ma gueule, c'est bien. Non, je m'appelle Beverly. Je m'énerve, arrête de foutre de ma gueule, d'accord? Non, c'est personne, j'ai fait aucune connerie, j'ai pensé qu'à toi toute la soirée. Tu m'as un garçon, tu verras. Donc voilà. Cette nuit, je vais l'embrasser Beverly pour la première fois. Je sais pas pourquoi, dès que je suis rentré, j'ai envie de l'embrasser et... Donc tu me fais le petit-déj, on va parler comprendre. S'il te plaît. Non. Tu es la seule. J'ai vraiment fait mal les choses avec Beverly parce que voilà, j'ai passé ma soirée avec une fille cul nu dans l'eau et je rentre, j'embrasse Beverly. Ah, regarde comme on est beau. On est très très beau. Hein. Le petit regard de Vivien me fait craquer quand il me demande d'aller faire le petit déjeuner. Je suis désolée. Ouais, ben je suis faible en fait au final face à lui. Il me demande d'aller faire le petit déjeuner, je vais le faire alors que jamais. C'est pas mon truc de faire ça à des garçons. Et bon, ben pour lui, je le fais. Pour moi, les soirées tentations, c'est fini. Parce que j'ai pensé qu'à toi. Ça t'a plu ? Non. Ben, je relève. Mais pourquoi faire ? Je pensais qu'à toi toute la nuit. Est-ce que c'est vrai ça ? Si je te le dis quand même, fais-moi un petit déjeuner, ma chérie. Tu me le fais ? Ouais, je te le fais. Merci. Mais, voilà, je suis la servante de l'amour. Oh là là, c'est pas possible.